Donc, Flight Simulator amélioré de Rex AQ Season. Bref, le Rex. On est à Montdidier, là, c'est un test pour la nav de demain avec Arthur. Et surprise, perdu. Ah bah on est sur Foxwolf Alpha Mike Bravo, mais avec la livrée de Sadie Lecointe. Il suffit de changer le trafic. Ah! Je sais plus où c'est. Je l'ai vu l'autre fois et aujourd'hui, on verra ça. Mais enfin, l'idée, c'est que on a quand même la livrée de Sadie Lecointe. Voilà. On est donc dans un beau DR400. Voilà. On va mettre la batterie sur on. On a les freins de parc. On a la mixture. On a la batterie. On met la pompe, quelques injections. Et comme le vrai, on appuie sur le bouton. Fabuleux. C'est monté dans le vert. On met en fonction l'alternateur. Ah tiens, j'ai oublié. L'anticolle, la nav. J'allais chercher le trim en main droite. On a un vent de passe. Donc là, je suis pas en météo réel, mais personnalisé, donc on s'en fout. Aéro. LFAR. Voilà, donc la carte VAC, on est à 358 pieds. On est OK. Donc on est ici, on fait ça. Ah, et là, le tour est en main gauche. Donc, on va faire ça, vertical. Oups. On va manipuler un petit peu l'appareil. Et au moment du départ, on sera. Et c'est des freins. Ça freine.
Bon, il fait quoi là? Ok, on est prêt au départ. On record, on est parti. On réduit. Alors, on a la pompe. Le badin, il s'active, il n'y a pas d'alarme. À 150 de montée, 350, 400, ça fait 700 pieds pour les flaps. Allez pour les volets, on rentre les volets, on coupe la pompe, personne à droite, on vire. On cherche 1350, 1400 pieds. Nom d'une pipe, elle est où cette piste? Bon, c'est vrai que c'est un 180 chevaux, donc on va pouvoir. Alors, mission numéro 1, retrouver le terrain. Donc là, j'ai une route au sud. Le terrain est orienté est-ouest. Un cran de volet, la pompe.
Donc là, je dirais que c'est la ville de Montdidier. Donc, en allant à l'ouest là-bas, c'est pas la ville de Montdidier. Voilà, ça c'est plutôt la ville de Montdidier. Je vais à l'ouest. Le terrain est quelque part en dessous. Ok, maintenant je vais au sud. Donc on a une rivière, une ville, une route. Une rivière, une ville, une route. Ok, donc là je suis sur cette partie de la route. Le terrain est au nord. Je fais route au nord. J'ai des éoliennes à gauche. Alors route au nord, c'est plus au nord. J'ai des éoliennes à gauche. Ok, donc j'étais plutôt au nord, j'ai évolué vers le nord. J'ai une route. J'ai une ville, j'ai des éoliennes ici, j'ai des éoliennes là. Juste une chose qui me chagrine, c'est que je ne vois... Ah! Non, peut-être, non, c'est pas ça. Bon, là, j'ai des éoliennes partout à droite. J'aimerais voir cette route-là. Toute route, même.
Donc si je fais l'hypothèse que je suis au nord de cette ville, j'ai les choses là à droite, les éoliennes, les étangs à droite, et des éoliennes à gauche un peu partout. J'ai effectivement des champs d'éoliennes un peu partout. J'ai une ville juste derrière moi, que je trouve pas ici, ça m'ennuie un petit peu. Parce que ici aussi il y a une ville, ici aussi il y a des éoliennes, il n'y a pas la route. Ouais. Donc ce qu'on va faire, tiens, il y a une ligne de tension là. D'accord, donc on la suit un petit peu par là et elle nous ramène sur le terrain. Ok, on rentre les volets, coupe la pompe. On reste 2000 pieds. Quelque chose qui m'intéresse.
Et dommage de ne pas avoir la carte 250 millième. Ça a l'air d'être une grande ville là-bas, mais vraiment grande ville façon ça. Bon, ok, alors il n'y a pas à tergiverser. Descend. Alors je suis parallèle à une route au 330 avec des éoliennes et une ville. Une route au 330, des éoliennes et une ville. Où est-ce que je suis? Nom d'une ville. Alors du 330, c'est ça, des éoliennes, une route. C'est Amiens, il doit y avoir de l'eau. Des éoliennes, une ville. Mais est-ce qu'il y a des éoliennes, une ville dans les parages là? Alors, je descends sud. J'ai la ville derrière moi. Ah, ça peut être Moreuil. Là, ça peut être Moreuil. Sauf que j'ai pas vraiment des éoliennes, mais j'ai une voie de chemin de fer. Pas convaincu, hein.
a pas d'éolienne près de Moreuil, c'est pas Moreuil. Ça, c'est l'autoroute. Pas forcément. Donc là, dans le travers gauche. Dans le 060 Gêneville, une route qui mène d'une ville à une ville. Soixante, c'est par là. Ça ne donne pas beaucoup d'infos. Là-bas, j'ai de la flotte, on dirait. Alors, attends. Si là je fais comme ça 060, ça peut être Moreuil toujours. Mais non, ça peut pas être Moreuil puisque là-bas c'était pas. Non, par contre, non, je sais pas. En allant vers l'est, il y a des grands champs d'éoliennes partout. Il y a des champs d'éoliennes. Là, il y a un grand truc qui descend là. Donc je vais à l'est, ça descend nord-sud. Bon, ça c'est une route. Ok. Nord-sud, il y a une autoroute. Bon. Ok, pas de doute. C'est une autoroute avec quelque chose qui est juste à côté, qui est probablement la voie de chemin de fer. D'accord. Allez, hop. On vire à droite. Éolienne, Patelin, je suis orienté sud. Je vais rester à bonne distance. Deux choses l'une. Ou bien je suis au nord et je vais tomber sur Paille. Ou bien j'y suis pas. Bon, tout à l'heure, j'étais peut-être par là, j'ai peut-être fait ça, je suis peut-être ici.
Donc je reviens perpendiculaire à l'autoroute, elle est toujours nord-sud. Bon, ben, il y a quelque chose qui est juste à côté, et là on voit qu'il y a un éloignement. Alors attention, il y a une autre autoroute, mais elle est beaucoup moins rectiligne, celle-là. C'est un truc comme ça devrait se voir sur la carte. Là, ça me fait furieusement penser à Compiègne, là. Beaucoup de forêts. Méga ligne droite orientée sud.
Pour moi, je suis là. Visuel sur un terrain, pas de doute, c'est Compiègne. Ok. Eh ben, on va aller se poser à Compiègne. Compiègne, 1100 pieds. Donc 1100, ça fait 2100, je suis un peu bas pour le tour de piste. Ah non, 1100, c'est le tour de piste. Ok, donc ça va, je suis bien. Donc là, avec les lignes de tension, ça limite encore plus les doutes que ça soit. Mais j'ai toujours pas de visuel sur cette satanée biroute, hein. Ok, donc on prend la 023 en préférentiel. Voilà, on est sur une 0,23. Donc 23, ça fait une 0,5. Allez hop, on réduit tout. Compiègne, Fox Golf, Alpha Mike. Bravo, après 30 secondes d'éloignement. Je suis en traversier pour m'insérer en début de vente arrière pour un complet sur la 23 main droite à Compiègne. Fox Mike, bravo.
Ok, l'arc blanc, un cran de volée, la pompe. Combien une fois que Zolf Mike Bravo, je cherche le début de vente arrière pour m'y insérer dans quelques instants. Hop là. Pompe, à réchauffe, ça serait mieux. Voilà, 150, on remet 2000 tours, 1100 pieds. Compiègne Fox Mike Bravo, mi-vente arrière, point complet sur la 23. Compiègne Fox Mike Bravo, fin de vente arrière, je passe en base, point complet sur la 23, Compiègne. On descend. Tour réduit. Fais attention, un poil loin. Fox Mike Bravo en mi-base. Point complet sur la 23 à Compiègne. Je suis un peu éloigné. Allez, deux crans de volée. On préchauffe. Allez hop, on vient, on va overshooter. Sinon, Compiègne, Fox Mike, Bravo, s'installe en finale, un peu éloigné, point complet sur la 23. Fox Mike Bravo en courte à Compiègne pour un complet sur la 23. Ok, j'ai vu les chevrons. Compiègne Fox Mike Bravo, je remonte la 23 pour aller au parking au hangar. Bon, bah là, je dois être sur les hangars. Ok, fin de parc. On coupe la nave, on coupe ça.
Compiègne, Fox, Mike, bravo. Parking sur les hangars. Je quitte les côtes. Au revoir. Donc on simule la réalité. Enfin, ici, là. On remet ici. On sèche. Et on coupe la batterie. Ah. Ah bah en fait, j'étais sur mon Didier, j'avais le terrain juste à côté. D'accord. Excellent.